C'est en 1901 et 1903, dans la force de l'âge et durant l'une des périodes les plus heureuses de sa vie, que Rachmaninov compose son célèbre cycle de 10 préludes. Le numéro 1, en fa dièse mineur, véhicule l'une des images à laquelle on associe principalement l'artiste, celle d'une tristesse douloureuse. En si bémol majeur, le numéro 2 offre un puissant contraste avec le précédent, puisque nous y entendons une joie débordante, l'énergie d'une jeunesse heureuse. Soit quelque chose de très similaire au ton de la romance Eau de printemps. Le prélude N3, en ré mineur, adopte un tempo de menuet. Rare chez Rachmaninov, ce recours au genre des 17e et 18e siècles commence de manière stylisée, mais renoue immédiatement avec le style propre au maître. À en croire l'artiste Ilia Repin, le numéro 4, en ré majeur, évoque une calme rivière coulant à plein débit. Le morceau respire le bonheur. Parmi les plus populaires et les plus reconnaissables de l'héritage musical de Rachmaninov, le prélude numéro 5, en sol mineur, fut écrit bien avant les autres pages du cycle. Avant même le mariage de l'auteur. Il s'agit d'une marche rapide avec de gigantesques escalades dynamiques et une section centrale lyrique. Le numéro 6, en mi bémol majeur, est un autre prélude plein de bonheur. Mais au lieu de la rivière du quatrième, nous pouvons ici imaginer un ruisseau rapide et tortueux. Le prélude numéro 7, en do mineur, est l'un des plus courts de tous. Il déploie une énergie folle qui détruit tout sur son passage. Les numéros 8, en la bémol majeur, et numéro 9, en mi bémol mineur, figurent différentes périodes de l'année. Le huitième représente le printemps, lorsque le soleil fait lentement fondre la neige vers les cours d'eau qui descendent les collines et les montagnes. Triste et mélancolique, le neuvième nous ramène en hiver. En plus de son humeur et de ses caractéristiques techniques, l'utilisation hautement complexe de double note évoque l'étude opus 25 numéro 8 de Chopin. Le numéro 10, en sol bémol majeur, renoue avec le sentiment de félicité. Dépourvu de tout éclat virtuose ou de toute puissance dynamique, il se termine de manière inattendue pour un tel cycle. Calme et joyeux, il sonne comme une postface. Les études tableau opus 39 datent de 1916. Le cycle entier fut conçu à une plus grande échelle que l'opus 33 et joué pour la première fois en février 1917. 8 des 9 pièces sont écrites en mode mineur. La numéro 1, en do mineur, donne à entendre des éléments sombres qui, sortis de l'abîme, éclatent dans de terribles paroxysmes avant de disparaître à nouveau. Son caractère sinistre est accentué dans la section centrale lorsque, sur une basse en descente chromatique, la scène semble envahie par des démons qui surgissent un bref instant avant de s'évanouir dans le néant. La mer et les mouettes. Voilà comment Rachmaninov désignait la deuxième étude du cycle. Elle ressemble beaucoup au poème symphonique L'île des morts. La torpeur n'y est interrompue que par la vision de flots déchaînés, image extrêmement prégnante dans le poème et les tableaux de Böcklin. Des reflets d'Orient apparaissent dans l'étude tableau numéro 3 en fa dièse mineur, où l'on peut se représenter des cavaliers tatars chevauchant à toute vitesse. Orient qui, pour Rachmaninov, n'a jamais semblé lointain ou inconnu. Au contraire, il s'en inspira beaucoup dans sa recherche de beauté. La numéro 4, en si mineur, occupe une place unique au sein du cycle. Deux reprises à l'intérieur de la pièce en témoignent. C'est le seul exemple dans les études tableaux, et quelque chose de très rare dans l'œuvre de Rachmaninov en général. Ces images de conte, dénuées de tout mysticisme, ressemblent aux loupki, peintures traditionnelles sur lesquelles figurent des personnages issus du folklore. Leshi, le lutin des bois, la sorcière Baba Yaga, et d'autres habitants de la forêt féerique, leur royaume naïf et fantastique. Poème d'une rare beauté harmonique, l'étude numéro 5 en mi bémol mineur, écrite en dernier, est probablement devenue la pièce la plus connue de tout le cycle. L'excitation qui monte tout au long du morceau culmine dans l'apogée grandiose de la reprise, suite à quoi la tension retombe, et tout se dissout dans la tranquillité de la coda. L'étude tableau numéro 6, en la mineur, est la version révisée d'une page initialement prévue pour l'opus 33. Selon Rachmaninov lui-même, elle s'inspire du petit chaperon rouge. Le loup personnifie ici le mal qui détruit toutes les créatures vivantes sur son passage. La numéro 7, en do mineur, résume l'ensemble du cahier. Le compositeur explique dans une lettre à Ottorino Respighi que son thème principal est une marche funèbre. Le deuxième thème suggère le chant d'un cœur. Dans la section qui s'ouvre par un mouvement rapide de double croche en do mineur et un peu plus tard en mi bémol mineur, imaginez une pluie incessante et sans répit. Le développement de ce mouvement atteint son paroxysme en do mineur, c'est la sonnerie des cloches d'une église.
la fin revient au thème de marche initiale. C'est tout. La nuance PPP du chœur fait écho aux chants liturgiques orthodoxes. Ils reviendront dans la seconde moitié de l'étude, accentuée par le rythme obstiné des doubles croches. Les deux études suivantes sont comme un post-scriptum. La numéro 8, en ré mineur, ressemble au doux souvenir d'une beauté disparue. Son thème, dans la reprise, est comme le bruit des sabots de la Troïka fantastique qui court au loin. La N9, en ré majeur, est la seule étude du cycle composée dans ce mode. Après l'épopée tragique des précédentes, sa coloration vive, semblable à une marche, paraît illusoire, comme la marche de l'épisode envoûtant qui suit la partie centrale de la pièce, avec ses carillons de cloche et ses claquements de sabots. Un puissant crescendo conduit à la reprise avec sa solennelle sonnerie de cloche. L'un des principaux symboles artistiques de Rachmaninoff. Tous ces commentaires ne visent qu'à partager l'opinion personnelle de l'interprète, qui ne prétend pas déchiffrer le contenu des études tableaux, la musique parle d'elle-même. Mon intention est seulement de parler des symboles artistiques et d'en donner une image plus large. C'est à la Villa Sénard, en Suisse, que Rachmaninoff compose les variations sur un thème de Corelli, sa dernière œuvre pour piano seul. Il est intéressant de noter que la partition, parmi ses plus tragiques, est dédiée au très joyeux et lumineux violoniste Fritz Kreisler, lequel avait lui-même transcrit la Folia de Corelli, également à la base du cycle du Russe. Le sujet choisi pour ces variations n'est pas de Corelli lui-même. La mélodie en question, une danse d'origine portugaise, est en fait l'un des premiers thèmes connus de la musique européenne. Vivaldi, Händel, Pergolèse ou Cherubini l'ont également utilisé. Si le cycle commence par faire référence à des genres anciens, le style de Rachmaninoff dans sa forme la plus pure reprend comme toujours très vite le dessus. Cette transition est particulièrement perceptible dans la troisième variation, écho stylistique au prélude numéro 3 de l'opus 23. Les allusions partout présentes au Daisira nous ramènent sans cesse à l'idée d'une fin terrible. Au cœur lyrique de l'œuvre, c'est-à-dire, variation, 14 et 15, Rachmaninoff en appelle au ré bémol majeur, tonalité dont il se sert dans de nombreux apogées sensuels. Cependant, à la différence du concerto pour piano numéro 3 ou de la rhapsodie sur un thème de Paganini, elle sonne ici de manière très ascétique, voire presque désincarnée. La dernière partie des variations, aux allures de catastrophe, préfigure la fin des futures danses symphoniques. Contrairement à celle des cloches, par exemple, la coda ne représente pas ici une catharsis ou une illumination, mais pleure la beauté perdue de la vie avec tristesse et émotion.